bonjour, bienvenue à la Japan Expo 2013. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, ben, je m'appelle Jérôme Rosé. Oui. Voilà, je suis un grand fan de Tetsuo Ohara. Depuis combien de temps? Depuis les premières éditions j'ai lu qui sont sorties en France. Ok. Et donc là, tu attends qu'une occasion se présente, on sait jamais. Voilà, parce que j'ai échoué au tirage au sort ce matin, donc j'attends que tout le monde passe et s'il veut bien me dédicacer un magazine de 1986. On croise les doigts. Voilà. Et donc, si tu as un message à passer à Tetsuo Ohara? C'est Dieu vivant pour moi. Il n'y a pas plus de... T'as quelque chose à lui demander, une question à lui poser, des interrogations ou... On ne sait pas trop. J'ai vu qu'il y a plein d'œuvres qu'il a écrites qui ne sont jamais parues en France. Ouais. Notamment sa série sur le motocross. Et j'aimerais savoir si un jour il la sortirait maintenant. Okay. Voilà, je sais que après la conférence, il nous a dit qu'il travaillait sur un nouveau projet qui sort au Japon actuellement, qui va bientôt sortir en France. Sur l'histoire de Nobunaga, donc ça je sais que ça va sortir, donc je l'attends avec impatience. Mais j'aimerais bien pouvoir avoir en version française les séries qu'il a faites et qui sont jamais sorties. Okay. Et un message pour tes fans, les personnes qui te reconnaîtront, pour les fans de... C'est moi les mecs. Merci bien. Et de rien, merci.
abonnable, je pense. Si tu veux, moi je peux faire ça. Et les autres combien de personnes? Ça va, fait Venice Beach, tu vois. Avec la chien et tout. Bah ouais, il y a Julien et tout, le pauvre, tu vois. Le pauvre, c'est déjà qui sort avec une meuf normale. Non, deux trois temps, on va le faire stress, on va le faire bien.
Maintenant j'ai appris la technique du bouquin. Et là t'es filmé au plus proche. Merci, merci. Ah, t'as posé une question? Ouais, ben, je les remercie pour toutes ces œuvres. Merci. Je les remercie pour tous ces fans. Je lui ai dit que malgré qu'il y avait eu des problèmes de traduction en français, qu'il y avait eu que le manga avait été catégorisé de très violent, il y a quand même beaucoup de fans de toutes ces œuvres en France. Ouais. Et c'était merci, les gens de sa part, d'être venus en France pour les voir. Il t'a répondu? Oui, oui, ben, il m'a dit merci beaucoup. Et du coup, après, je peux lui poser ma question sur les visages, pourquoi, et il a dit qu'il n'y avait pas le temps. Ouais, le traducteur qui a dit que... Ouais, il a dit qu'il n'y avait pas le temps. Alors ça va? Ouais, ça va. Ça va, là, ça... Ben, en fait, tous les héros de ces mangas, ils ont tous le même visage. Je voulais lui demander pourquoi, déjà, et est-ce qu'il s'était inspiré d'un visage d'une personne réelle pour le faire, en fait. Ouais. Ah, c'est bien, mais c'était vraiment bien, non, c'est plus gros, là. Ouais. C'est pas grave, il est un petit jour. C'est moi, alors. Ça se calme. Il t'a serré la main, fais gaffe, hein. Ouais, putain, ça lave plus, là. Bon, ça va. Ah putain, c'est bon, c'est le rap pour Romana. Alors? Trop content. Attends, regarde, putain, sérieux, merde. Ça pète, non? C'est de la barre, là? Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Félicitations. Merci, merci. Et ton prochain rêve, c'était le chapeau? Ouais, je vais rencontrer Kurumada aussi. Ouais. Un jour. Là par contre je passerai pas si je gagne. C'est pour moi là. Faut négocier ça, faut négocier ça. Je le tiens. Le mec trop sympa là, il t'a filmé au plus près. Ouais, trop sympa. C'est la pièce collector là. Ah ouais celle-là, je vais la mettre. Tu vas mettre, tu vas laisser le bouquin ouvert. Hein. Je pense qu'il était content de ce que je lui ai dit quand il a fait la traduction. Et t'as répondu quoi après? Ouais, il m'a dit que c'était, ça le touchait, il était très content d'avoir un retour des fans. En fait. Tu peux mourir tranquille maintenant. Presque. Alors, presque. Romana, c'est bon. Toriyama? Ouais, Toriyama, ouais, mais Toriyama, je sais que c'est un jeu bien. Hein. Ça va être hardcore pour Renée. Ouais, c'est très tard. Non, mais Toriyama, le voir déjà, c'est bien. Imagine en plus si tu vois Eiichiro Oda. Toi aussi. Hein. Masashi Kishimoto. C'est vrai que. Allez. Un jour. Allez, prochaine. On s'affiche d'avoir fait une prochaine. À la prochaine.